Eh bien salut les amis, c'est Carmano, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour je crois 47, au pif, 47ème épisode de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch, j'espère que vous allez tous très bien. Je pensais que, la dernière fois je l'avais dit dans ma vidéo, déjà n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, mais dans la dernière vidéo je crois que j'avais dit, on se retrouvera quand il y aura Arceus sur le jeu. Bah en fait on se retrouve avant, Arceus n'est toujours pas disponible, ils ont même pas donné de date, donc on ne sait pas, mais... Il y a un nouveau Pokémon, enfin un nouveau, c'est pas un nouveau Pokémon mais, enfin il était pas encore disponible sur le jeu avant, donc voilà, c'est, il y a un nouveau, pas nouveau Pokémon qui est disponible sur le jeu, et c'est l'un de mes Pokémon préférés, donc on va le récupérer, c'est un de mes Pokémon préférés, mais bon, comme c'est un fabuleux qu'on a en post-game, bah genre c'est le genre de Pokémon dont je ne peux jamais me servir, ils arrivent trop tard dans l'aventure, mais si on refaisait la ligue et si on refaisait genre... En fait, mon idée évolue au fur et à mesure que je parle, c'est pour ça que je me tais... Bref, mais peut-être qu'en fait, je pourrais vraiment le mettre dans mon équipe. On verra, on verra. Dans tous les cas, les amis, je sais, vous allez être nombreux dans les commentaires à me dire « Carmando ! Carmando !» Voilà, enfin, genre, vous pouvez pas dire ça parce que c'est pas écrit. Enfin, si, vous pouvez écrire en majuscule « Carmando ! » Est-ce que tu as vu l'annonce de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet? Ben non, les amis, je ne suis pas au courant. Je sais pas de quoi je parle, je pense que j'invente, non? Mais non, mais bien sûr que si, j'ai vu! Et on en reparlera plus tôt dans la vidéo Légende Arceus qui arrive demain. Et oui, Pokémon Légende Arceus continue demain. Alors que j'ai dit aujourd'hui dans la vidéo que c'était terminé pour le moment. Mais il y a déjà une mise à jour. Donc ça continue demain la série. Et on en parlera plus tôt dans la vidéo Légende Pokémon Arceus. Là, j'ai plutôt envie de me consacrer sur un Pokémon. En particulier celui de cette vidéo. Donc laissez des pouces bleus et on y va. Dans quel Pokéball je vais me le mettre. Bah oui, si. Mais bah, si, on peut dire ça comme ça. Mais ouais. Ah, je vais voir. Ça me pose quand même un souci tout ça. Parce que... Déjà je remets dans mon équipe Togekiss. Mais alors si je le mettais dans mon équipe, je le mettrais à la place de quoi? Parce qu'il est plante et il devient plante vol, mais je le préfère quand même en céleste. Et je pense qu'il est peut-être plus fort en forme céleste, à vous dire dans les commentaires. Mais si je le mettais en forme normale, c'est clair que je le mettrais à la place de Handspinner, vu que c'est un Pokémon plante. Mais vu qu'il est plante vol en forme céleste, il y a Kerb Junior aussi qui pourrait sauter. Mais en vrai, Kerb Junior, il est vraiment fort, non? Enfin... Togeki c'est quand même super fort. Roserade, Valum dit qu'il est fort, mais bon, c'est un Pokémon préféré, donc il va pas me dire qu'il est nul. Je pense que je garderai quand même Kirb Junior. Peut-être que je retirerai Roserade. En fait, si je me pose tellement la question maintenant, c'est tout simplement parce que la question de quel Pokéball je vais utiliser se pose. Et en vrai, Shaymin irait très bien dans cette ball. Je pense que je vais remplacer par lui. Bah en fait, je suis allé voir sur internet et on peut pas en avoir d'autres copains ball. En fait, on en a et après on en a plus. Super. Donc bon, qu'est-ce que je pourrais utiliser en fait? Peut-être essayer avec la Swing Ball, après c'est un légendaire, hein. Ça se trouve il va pas rester dedans, il y a même de grandes chances. Ou la Master Ball. Non, la Master Ball ça fait quand même, faut bien que je l'utilise un jour, hein. Je pense que je l'utiliserai plus pour Arceus, même si c'est pas drôle finalement. Non, je la garde en réserve et si un jour je croise un Shiny, je l'utiliserai. Je pense que c'est ça que je vais faire. Mais chelou qu'on puisse pas avoir d'autres copains ball. Genre je les ai eus par distribution au début du jeu et maintenant c'est terminé. Genre, faire la vie, t'as à l'infini. Eh bien apparemment oui. Allez, on récupère les petits cadeaux mystères. Ouais, lettre chaîne, ok. Le nombre de gens dans les commentaires des vidéos qui jusqu'à quasiment la fin du let's play m'ont dit « Vite, va dans les cadeaux mystères, récupérer ma fille !» Alors que je l'avais déjà depuis longtemps, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. Ok, c'est bizarre quand même d'ouvrir un cadeau mystère et qu'il y ait genre juste rien dedans. Enfin genre il y a un truc mais visuellement il y a rien. Je trouve ça toujours un peu... Voilà. Voilà. Alors j'imagine c'est dans les objets clés, non? Une lettre du professeur Shen vous demandant de vous rendre sur la route 224. Bah on sait pas. Il l'a pas ouvert. Donc moi je ne sais pas. Je comprends pas. Je sais pas le contenu, je peux pas le deviner. On a peut-être un Pokémon qui voit à travers les lettres. Genre comme Superman, il a une vision qui permet de voir à travers les lettres. Enfin, le papier, etc. C'est la seule explication que je vois, parce que il n'aurait quand même pas envoyé une lettre fermée sur laquelle il écrit sur le papier de la lettre extérieure « Rendez-vous sur la route 224 ». Ça ne sert à rien. Donc il y a bien un mot à l'intérieur. Mais que... Je veux savoir ce que comporte ce mot. On peut pas l'ouvrir. Eh mais je suis désolé, moi je ne peux pas... Je ne peux pas continuer à jouer dans ces conditions. Ah bah, je l'ai supprimé. Je l'ai jeté, vous avez vu? Non, c'est juste que j'étais remonté. Quoique, non! Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, j'ai juste... ouais, bon, j'en sais rien. Bon, ok, let's go. C'est parti pour aller voir Shen. Mais c'est qui, Shen? Si, ça, je sais. Comment on joue? Comme c'est pas les mêmes boutons, là, que sur Arceus, c'est compliqué. J'oublie comment on joue. 224. Oui, puis je vais devoir chercher partout, là, c'est ça? C'est où, vraiment, la 224? 225. Ce serait pas là? Non, 221? Vous vous fichez de moi? Et on peut pas chercher? Non mais attendez. Parce que bon, 222, peut-être là-bas. Oui! En plus, j'y suis jamais allé là-bas. Attends, est-ce qu'on peut se téléporter directement là? Ouais? Très bien. Mais ça va être la première fois qu'on va dans cette zone-là. Genre le mini-sino, comme ils l'appellent. Le mini-sino. Sino, c'est un peu le nom de leur dieu quand même. Donc dire mini-sino, c'est un peu pas beaucoup de respect. Allez, vas-y, Castorno. Oh! Oh! Non! Si. Non, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis tout excité, mais il y a eu le Pokémon présent hier. Il y a eu le punaise. Ouais, voilà, je suis pas vulgaire. Il y a eu le punaise de putain de Pokémon. Voilà, c'est bon, je peux pas, je peux quand même pas faire attention à ce point. Je suis trop excité de Pokémon présente. C'était, enfin, pour ceux qui savent pas, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme un Nintendo Direct mais pour Pokémon. Et donc ils ont annoncé plein de mises à jour pour des jeux Pokémon comme Café Mix ou Pokémon Master, etc. Bon, je suis très content pour ceux qui jouent à ces jeux. Moi, j'y joue pas, donc moi personnellement, je m'en fous. Mais pour ceux qui y jouent, je suis très content pour vous. Mais ouais, voilà. Enfin, genre, ils ont annoncé plein. Enfin, ils ont annoncé des nouveautés pour Pokémon. Légende Arceus, Pokémon Diamant Étincelant et surtout un nouveau jeu Pokémon dont je ne vous parlerai pas pour l'instant. Nous verrons ça plus tard. Nous verrons ça plus tard. Ça n'a pas de sens de dire nous verrons ça plus tard. Parce que, bah si, ça veut dire quelque chose. Mais je dois aller là. Ça veut dire quelque chose, mais dans le contexte là actuel, ça veut rien dire nous verrons ça plus tard. Parce que... Nous verrons, c'est du passé, c'est du plus que parfait, non? Enfin, dans tous les cas, c'est du passé. Donc, nous verrons ça plus tard, c'est genre... bah non, mais en fait, ça n'a pas de sens ce que je dis. Qu'est-ce que qu'il faut que j'aille, en même temps, je suis perdu. Nous verrons ça plus tard. Voilà, ça c'est plus logique que nous verrons. Parce que nous verrons, effectivement, ça existe, mais c'est pas dans le bon sens. Genre, si je commence à mettre les verbes dans n'importe quel sens, genre, ça marche plus. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Non. Mais où le mec? Il serait pas sinon dans la toute première zone? J'ai oublié. Ah non! J'ai oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce game. Attendez, c'est la sortie là? Mais il y a qu'une seule zone? Enfin, il y en a une là et une à droite, c'est tout? Je trouvais qu'il y avait deux salles, genre. Bon, bref. Dans tous les cas, mais il est où en fait, le monsieur? Hein? Après, ce qu'il y a, c'est que. Bon, le monsieur, il m'empêchait de passer tant que j'avais pas. Complété le Pokédex. Maintenant je l'ai fait, donc il a plus de raison de m'empêcher de passer, non, ça se trouve il est juste plus là en fait. Et donc il y a un... Ça me fait peur, chaque fois que j'ai peur sur un dresseur qui m'attaque. Ce qui serait pas terrible, mais quand même j'ai un peu la flemme quoi. Ah si, il y a une autre zone là. Mais attendez, mais où est-ce qu'on va? Oh là 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 là. Attendez, mais là il y a un passage. Non mais j'y suis déjà allé. Je suis perdu. Si, mais je pense que c'est par là. Et je pense qu'après il faut que je continue. Je me souviens. Et j'en suis quasiment certain que c'était vers l'est. Mais là, c'est une zone où je suis déjà allé. Ah bah non, en fait. Non, me dites pas, puis tout à l'heure, j'y étais. What? Quoi? La brume, elle est plus là. Je m'appelle Viviane. Et toi, tu t'appelles Kirbendo, c'est ça? Accepterais-tu de m'aider, s'il te plaît? Non. Je souhaiterais traverser ce tunnel. Pourrais-tu m'accompagner? Non. C'est qui, Viviane? Elle est stylée. On dirait une dresseuse de type spectre. Je n'aime pas voir les Pokémon souffrir, je soignerai donc les tiens. D'accord, par contre. Mais attendez, mais j'ai le truc de brume? Mince. Oui, c'est bon, j'ai anti-brume. Un éruptor sauvage, Netoraptor, un éruptor, ça n'existe pas, ça. ok, elle peut me suivre là ou pas? Ah non, bah non, 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 on peut pas, d'accord, ok. Par contre, on peut utiliser force. Bon, heureusement qu'elle est là, quand même. Vas-y, on utilise force. Très bien. On peut pas plus vite là? Voilà, je sais que je peux. Mais non, j'ai toujours pu déplacer des rochers en fait. Bah non, pas au début. Salut! Ça fait longtemps que je me suis pas combattu sur ce jeu. J'ai quoi comme Pokémon en premier? J'ai Togekiss, je crois. Bon, ça va, ça va, ça va. Bon, j'espère que cette zone va pas être trop grande parce qu'on n'était pas là pour 6 Pokémon. Non, mais ça va pas la tête. Ok.
Le Pachirisu va falloir s'en débarrasser assez vite. Parce que je vais me faire défoncer. Ou Orkun. Ça va, c'est cool. En plus, il fait intimidation. Est-ce qu'il pourrait m'intimider, moi? Mais non. Bon, Arcanin Dissou, il a quand même plus... plus la classe que lui, hein. Enfin, en fait, il s'est coiffé. En fait, Arcanin Dissou, c'est un Arcanin qui s'est coiffé. Parce que ce Arcanin-là, clairement... bah, genre... je sais pas, on dirait moi avant, quoi. Ce qui n'est pas un compliment. Mais moi, j'ai le droit de le dire, pas vous. Comment ça lui reste un PV à l'autre? Il a pas fermeté, hein, Pachirisu, ça a pas fermeté. Ok, ouais. Non, il a pas vermeuté, genre juste la coïncidence veut qu'il lui restait un PV. D'accord, sûrement un d'ailleurs. Bon, c'était peut-être deux ou trois, mais voilà, un coup critique pour retirer un PV à un Pachirisu. Waouh! Félicitations, hein. Le feu intérieur d'Arcanin s'est dissipé, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ok, un sac à PV, super! Bon, on a des bons Pokémon, on est quand même niveau 74 et tout, genre... Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Éclat magique. Ah, c'est pas très efficace, éclat magique sur Galopa. Pourquoi? Qu'est-ce que... Pou, 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 pou. C'est ça qu'il a fait. Allez, Ekilner. Pou, 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 pou. Quoi? Mais non! Comment ça? C'est pas bien, ça. Ah, c'est encore pas... moins. Oh, ça va, ça va, ça va. Aïe, bah ça va pas, en fait. Ok, je peux faire grève. Les dresseurs, ils disparaissent. Disparaissent. Non, ils disent... Ils disparaissent. Ouais, paraissent. Ils disent ça vu qu'ils sont plusieurs. Ouais, bref, vous avez pas compris la blague, je pense. Arcanin, mais... Pou, 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 pou. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Mais comment il fait? Genre... C'est compliqué quand même quand on a des pattes de taper dans les mains. Bah déjà oui, quand on n'a pas de main, on peut pas taper dans les mains. Mais bon, d'ailleurs, comment on donne un coup de main si on n'a pas de main? On donne un coup de patte? Eh ouais, subtil, subtil. Allez, vas-y, tout le monde monte de niveau, etc, etc. On peut continuer ou... bah merci Kirby Junior, merci, c'est super sympa. Mais bon, on peut... C'est quoi un Charmillon déjà? Waouh. Waouh. Oh, c'est vrai? Ah ouais? Vas-y. Mais non! Mais pourquoi encore coup de main? De toute façon, je l'aurais tué! Et mais l'euphorie, il veut pas décéder, hein! Surtout qu'il a un Pokémon après l'euphorie. Salut Charmillon! Charmillon, 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 Charmillon. Voilà. On sait pas, on s'en fout. Vas-y, 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 vas-y! L'euphorie, en plus, il a un Pokémon de plus, l'autre. J'aime pas ça, les l'euphorie, ça sert à rien! C'est genre juste des sacs à PV, mais ils servent à quoi d'autre, en fait? Coup de main encore! Ça se trouve, je vais même pas le tuer. Tu sais que si au lieu de me faire coup de main, t'attaquer, il y a des chances qu'on le tue à tous les deux, en fait. Voilà, bah, il y a des chances qu'on les tue plus vite, en fait. Bon, merci pour le coup critique, c'était cool. Allez, ouais. À la suite, là, le dernier, c'est qui? Par contre, ça donne beaucoup d'XP, les l'euphorie, ça c'est bien. Azumarill! Oula, tu vas te faire défoncer, mon petit Arcanin! Non, parce qu'il aura pas le temps d'attaquer. Zik la magique. Piou. Allez! Bye bye! Salut! Bon, ok, très bien. Et donc maintenant... On devrait peut-être changer de Pokémon qu'on a devant. Mais c'est impossible! J'ai l'air nul! Oui. Mais tu l'as toujours eu! Tu as toujours eu l'air nul, mon gros. Alors, équipe, et on va mettre un autre... Ah, cram, il est niveau 74, wesh! Et bah là, voilà, très bien, très bien. Akram, que j'ai capturé en shiny. Ah mince, c'est du spoil, j'aurais pas dû vous le dire. Bon, c'est pas grave, voilà. Les gens qui étaient au live, ils le savent. Les autres, bah, vous l'aurez su un jour ou l'autre. Très bien, très bien, vas-y. Comment on se bat un vrai kinésiste? Déjà, arrêtez de marcher pieds nus dans des grottes comme ça. Il y a probablement plein de gens qui viennent et qui jettent leurs bouteilles, leurs déchets, etc. Le sol doit être ultra coupant, ultra dangereux. Donc ouais, c'est pas génial, hein. Vraiment ce... Oh bah super! Deux Pokémon psy contre un Pokémon combat. Heureusement que je vais attaquer en premier. J'espère qu'il va pas faire coup de main et qu'il va m'attaquer. Enfin, qu'il va pas m'attaquer moi, Arcanin, mais qu'il va attaquer les adversaires quand même. Allez, vas-y. Allez, boute-feu! Voilà, c'est pas mal. J'ai l'impression que le jeu fait moins de bruitage. J'ai coupé les bruitages du jeu ou quoi? J'ai l'impression que la musique elle est forte mais les bruitages ils font rien quasiment comme son.
gros yeux. Ouais, bah oui, ça va faire assez mal. Ah oui, 20 niveaux de moins et pourtant, ça fait très mal. C'était sûr, en fait, c'était sûr. En même temps, pourquoi utiliser gros yeux, sérieusement? Voilà, salut Kadabra. Très bien, bye bye. Bon, et le dernier, donc, de Pokémon? Flamme ultime, il aurait pas pu utiliser ça au tour précédent. Genre, ils le font exprès pour être relou, hein. Vas-y, regarde-moi pour savoir quoi faire, et moi je fais lance-flamme. Enfin, je te dis de faire lance-flamme. Salut Kadabra. Ça m'a fait plaisir de rencontrer un Kadabra, ça n'aura pas duré longtemps entre nous, mais voilà. Bon, et toujours pas d'augmentation de niveau. C'est vrai qu'elle soigne mes Pokémon entre chaque combat, ça c'est cool. Ouais, et t'es étonné. Moi aussi j'étais étonné que vous étiez si nul. Hein? Ah, en fait, t'es obligé d'avoir qu'un seul des objets. L'autre, tu peux l'avoir, mais faut revenir, en fait. Genre, faut quitter la salle et revenir. Ok, je vois. Bon, je récupère lui en premier. Je sais pas ce que je vais en foutre d'une pierre nuit, mais si vous voulez. Ouais. Non, ouais, on utilise un autre, hein, s'il vous plaît. Bon, c'est quand la fin? J'ai un Pokémon super fort à attraper, là. Je sais tous des combats! Ouais, voilà. Super. Ok, très bien. La suite. Ok, le karatéka et le vénérable. Le vénérable arbre mojo. Melocric. Oh, Melocric. Bah non, je vais rien vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais utiliser l'attaque combat sur ma chopper. Et l'autre, j'espère qu'il va le tuer avec le feu, vu que c'est un insecte. On s'en moque de ton intimidation, on sait comment ça fonctionne. Alors, quoi? C'est tout? Je croyais que ce serait super efficace, mais non. Vas-y, point boost quand même. Ça me rend plus fort. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ah, skip. Allez. Flamme ultime sur qui? Melocric. Bon, bah. Salut Melocric. Je suis désolé pour toi, mais bon. Salut. Ils ont d'autres Pokémon, j'ai oublié. Mais c'est quoi le feu intérieur? Ça veut dire que cette attaque, il peut l'utiliser qu'une seule fois et après, il peut plus? Ou genre, ouais, fait moins de dégâts? Aïe. Ouais, non, ça va. Marest. Pokémon O, non? O, sol, un truc comme ça, on sait pas trop. Vas-y, ma chopper. Oh, non. Surtout que ça change rien, de toute façon, je l'aurais tué, donc... voilà. Merci. Merci de rien, en fait. Brrr. Yes, niveau 75. C'est cool, tout le monde est niveau 75 au moins, et il y en a un niveau 77. Ouh, aïe. Ouais, c'est super efficace, mais heureusement, t'as 20 niveaux de moins que moi, donc... en vrai, ça n'est pas grand-chose. Encore? Vas-y, ça va être plus rapide, quand même. Et mais, ils ont le don, à part le Lucario, ils ont quand même un don d'avoir des Pokémon qui sont insupportables à nos collègues. Genre qui font que de soigner ou de nous booster. Et c'est pas très intéressant. Genre ce serait intéressant qu'ils le fassent de temps en temps. Mais s'ils le font tout le temps, c'est pas très cool en fait. Enfin moi je trouve pas ça très marrant, mais bon. Comme ils veulent. Bah ils mentent. Ouais, super, allez. Ok, il est somnolent, très bien. Donc il va plus rien faire en fait. C'est exactement ce qu'on voulait, non? Non, moi c'est pas ce que je voulais, mais bon. Close combat! Je sais pas s'il y a encore un Pokémon. Je regarde jamais combien de Pokémon ils ont. Enfin, sauf quand il y en avait 6, ça c'était quand même un petit peu trop. Ouais, ok, super, et donc? Oui, bah oui, gros yeux dans le vide. Ouais. Ah, mais il s'est endormi. Voilà. Ectoplasma! Je suis en train de trembler, là. Je suis en train de trembler. Ah, mais ça va aller. Oui, bon, Arcanin. Il voulait encore me faire coup de main, c'est ça? En vrai, là, ça aurait peut-être été utile, non? Parce que je sais pas si je le tue, hein. Eh bah si, ça a pas tant de PV que ça, un ectoplasma. C'est bon, est-ce que c'est les derniers dresseurs? J'aimerais bien, hein. En ça. Je t'ai battu à plate couture. Je connais surtout leur peine, en fait. De quoi, des Pokémon? Des combats? Je sais plus ce qu'ils me disaient, on s'en fout. Ok, et bah c'est pas fini, hein.
si j'étais pas avec elle, j'aurais pu skip tous ces combats. Hein. Mais là, genre, juste, elle me ralentit, quoi. C'est littéralement ça, en plus. Elle me ralentit. Vas-y, en plus, ils ont 4 Pokémon. On n'est pas rendu, hein. Cornèvre, Carmash. Carmash. Pourquoi on continue de rencontrer des gens qui ont Carmash alors qu'on a déjà eu des Karchakrok? C'est bon, faites évoluer vos Pokémon à un moment, non? Je dis ça, je dis rien. Et comment ça, le Cornèvre, il est toujours pas évolué en Corboss? C'est peut-être avec une pierre nuit. C'est peut-être pas par niveau, ouais, c'est peut-être avec une pierre nuit. Je sais pas exactement. Vas-y, Cornèvre, salut. Ok. Ils vont bien ensemble, les ornithorynques. Pas les ornithorynques, les ornithologues, c'est ça? Les ornithologues et les dracologues, ils vont bien ensemble, je trouve. Ça fait des... Enfin, je sais pas. Au niveau du type, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça fait des beaux duos. Ah, mince. Et ça, ça va me faire très mal. Encore un Corboss? Ah non, maintenant, c'est un Corboss. Ok, très bien. Ça va, ça va. Donc, lance-flamme. Vas-y. Et Arcanin, il va rien faire. Hein. Bah ouais, il est mort, donc... Merci Arcana. Et l'autre, il lui en reste encore deux Poké... Flamme ultime! Heureusement, ça n'a pas brûlé son feu intérieur. Quelle naze! C'est super efficace et tu me fais que ça, t'es trop nul! Non, attends, c'est moi qui vais finir par être trop nul. Vas-y! Je crois que je le tue pas. Hein. Oui, bon, de vraiment pas grand chose. Et toi, tu fais flamme ultime! Ouais, pour lui retirer 20 PV. Bon, on l'applaudit quand même, hein. Pou, 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 pou. Voilà, c'est bon, on passe à la suite. Allez, chop, 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 chop. C'est qui maintenant? Karchakrok, je vais voir Flou. Je vais voir Floute. Léviator. Ouais, c'est pas ouf pour moi, en fait. C'est pas ouf pour nous, vu qu'on est deux Pokémon de type feu. Mais après, ça va, enfin, genre, faut pas non plus abuser. Ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais, ok, on a tout qui est pas très efficace. Bon, bout de feu, ça va le tuer. Enfin, c'est divisé par deux quand même, hein, mais... Ah mince! Mais Arcanin va clairement le tuer. Et j'ai eu un gros contre-coup, hein. Grondement. Non mais là, on dort. Hein. Je rompige. Sérieux? Il aurait pu utiliser une attaque haut ou une attaque vol, hein. L'un ou l'autre m'aurait fait très 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 mal, m'aurait probablement d'ailleurs tué. Mais il a préféré faire ça. Bon, bah vas-y, point boost. Attends, je suis pas sûr de le tuer, hein. Ouais, si, je sais pas combien de PV il lui restait, mais c'est vrai que ça faisait que 40 points de dégâts, donc... Ouais, c'était un peu risqué ce que j'ai fait. Mais heureusement qu'on nous soigne entre chaque combat, parce que là, genre ils ont 20 niveaux de moins que moi, mais ils pourraient finir par m'avoir à l'usure. Et finalement, non. Donc très bien. Bon, il y a encore beaucoup de combats, là. Cette grotte m'a l'air éternelle. Oh, mais ouais, ça a l'air d'être super long. On va pas y arriver aujourd'hui au Pokémon que je veux. Hein. C'est pas grave, ça fera une autre vidéo. Allez, Marius le kinésiste et Cathy la kinésiste. Girafarig et Corillon. Corillon, trop mignon. Corillon. Mais ils se sont trompés dans le jeu, c'est Corillon. Pour les gens qui n'auront pas suivi la série, je suis sûr, ils vont m'insulter dans les commentaires. on peut attaquer? Oui, non, voilà. C'est ce qu'on voulait. Girafarig. Et bim. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça me booste. Et c'est bon pour le moral de se booster. Sur Corillon ou... Oui! Très bien, parce qu'il m'aurait... Il m'aurait fait décéder. Non, il aurait pas réussi à Moxie. Mais... Pas loin, quand même. À Moxir. À Moxir, c'est vrai. C'est un infinitif. Hâte. Ça augmente l'esquive. Ok. Non, sa vitesse. Sa vitesse, c'est vrai. À chaque fois, je me trompe. Et au co! Et au KO. Ouais, bon, c'est bon. C'était pas très drôle. Vas-y, et au KO. Et on l'aura mis, et au KO. Vous pouvez m'applaudir dans les commentaires quand même quand je dis des blagues qui sont tarpin drôles. Vous pouvez quand même le dire dans les commentaires, ça,
Ça vous tuerait pas de le faire, hein. Allez, très bien. Hâte encore. Mec, augmenter ta vitesse à l'infini, ça va pas faire grand chose en fait. Enfin, là tu vas peut-être attaquer avant moi. Oh là 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 là. Bon, vas-y. Il attaque avant ou pas? Même. Oh. Même pas, donc Girafaring s'est doublement boosté. Ça... Ah si, c'est bon, ok. Oula, oulala, oulala. Ouais, non, ça va. Heureusement qu'il est largement au niveau inférieur. Salut Girafarig. Par contre, il a un autre Pokémon. Girafarig, Girafarig toujours avec son chompe sur la queue, trop bizarre. Ah non, il a pas d'autre Pokémon. Mais je pensais vraiment pouvoir gagner. L'avenir a changé. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait prédire l'avenir. Ouais, c'est ça mon œil. Quoi ça sert de faire des labyrinthes comme ça, à part être relou? Salut! Je vais lâcher mes Pokémon et leurs capacités incroyables sur toi! Place au karaté, je te défie! Faisons un combat Pokémon! Ouais. Faisons un combat Pokémon. Oulala, mais c'est bon l'abus quoi, pourquoi ils ont tant de Pokémon? En plus, pour l'instant, ils ont réussi à me tuer 0 Pokémon, donc à un moment quand même... J'ai un peu honte pour eux en fait. Ok, son attaque baisse et lui aussi son attaque baisse, mais on sait en fait, tout ça on est déjà au courant. Alors. Ouais, vas-y. Je pense pas que je le tue. Ouais, ouais. Mais au moins je me booste. Comment ça bravo? Comment ça bravo? Pourquoi bravo? Parce que t'as réussi à mettre le coup, mais on s'en fout en fait, enfin... On s'y attendait de toute façon. Pas sur Onyx, hein. Complètement débile, hein. Ok. Enfin, après, il pouvait pas savoir que j'allais attaquer Onyx. C'est ça aussi qu'on puisse pas communiquer avec la personne qui est avec nous. C'est débile. Et débile, oh. Plaquage sur qui? Pourquoi il est obligé de grossir pour faire plaquage? Ça n'a aucun sens. Ok, ma cogneur. Ouais, regarde-moi si tu veux. Point boost, encore, on va se booster. On va se point booster à l'infini. Oh, vraiment, ça me saoule, hein. Je trouve pas ça drôle du tout. Et en plus, elle a d'autres Pokémon, je crois, non? Ah non, bah non, non, non. On sait pas, en fait, je pense pas, hein. C'est comme pour l'autre avec le Vénard ou Lucario, ils avaient pas d'autres Pokémon. Eh, mais l'autre, pour aller voir Etran, il avait quoi comme Pokémon? Il m'a assisté, non? Il m'a combattu ou il m'a assisté? Je crois qu'il a fait les deux. Mais je sais plus quel Pokémon il avait quand il nous assistait. Oh non. Ok. Le pauvre il est confus. Gravalanche. Tutti va bene. Tutti va bene. Ok, point boost. Gravalanche, vas-y. Il a fermeté ce rat. Il a fermeté. Ça faisait longtemps. Hein. Genre, dans Legend Arceus, il n'y a pas eu de problème parce qu'il n'y a plus les talents. Il y en a, y a un seul Pokémon de tout le jeu qui a des talents. Enfin, qui a un talent. C'est Regigigas. C'est Regigigas. C'est le seul à avoir un talent de tout le jeu. Et bah écoutez, ça m'a fait plaisir de pas avoir de talent dans le jeu. Hein, parce que ça ralentit quand même assez le game. Après, ça pourrait être cool les talents, mais si c'était un peu plus transparent en fait. Le fait qu'à chaque fois ça soit affiché et tout, c'est un peu. Enfin, genre, c'est bon, on a compris au début. Puis fermeté, ça par contre, c'est pas très sympa. Hein. Après en combat stratégique, je pense que c'est vraiment bien les talents, mais quand tu te combats contre des dresseurs comme ça, enfin je veux dire le Gravalanche, je suis sûr que je vais le tuer. Donc ça me fait juste perdre du temps en fait. Arcanin t'attaque ou pas? Oh non. Pour faire un punto de dégâts. Ok, salut. Par contre je me suis bien boosté mon attaque en attendant, non? Oui c'est bon, oui, on peut passer à la suite, ouais. Ok, ouais, salut, ouais voilà, ok merci. Et Akram qui passe niveau 76. Akram le boss. Akram le boss. Ouh, Dynamo point. Pourquoi ça me fait aussi mal? Mais ça va pas. Et en plus ça me rend confus. Mais ça va pas du tout hein. Oula oula, je pense qu'Akram va mourir sur ce combat. Parce que là je suis pas sûr de pouvoir attaquer déjà pour commencer. Ah merci de me faire coup de main, mais si je me blesse dans ma confusion, est-ce que je me fais encore plus de dégâts? Yes! Ok, super. Je pense que je le tue, non? Oui, quand même. Quand même.
J'aurais été un peu déçu sinon. Ouais, ok, super. Tranchère sur moi. Ah, sur tout le monde. Ça m'a pas tué. Ça fait aucun dégât, tranchère, c'est trop nul. Je suis pas sûr de pouvoir attaquer Arcanon, tu peux pas attaquer pour assurer nos arrières. Ça fait quoi, prévention? Donc ça va pas l'attaquer du tout? Ah si? Ça a réduit les dégâts, j'imagine. En tout cas, si ça les a réduits, bah... on n'aura pas vu la couleur de cette réduction. Gaspard le Vénérable et Malcolm le Karatéka. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est lâcher un soupir. Mes techniques karaté n'ont pas fait le poids. Ouais, si tu le dis. Je suis en train de m'enrichir de ouf, hein, je suis trop content. Et... oh, nous y sommes presque. Il y a une plaque en pierre par là et je souhaitais simplement voir le Pokémon qui s'en approche. Je te remercie de m'avoir escorté. Ok. Comment ça, il y a une plaque en pierre? Attendez. Ouais. Je veux sauvegarder. Et donc... c'est quoi, c'est une plaque pour Arceus? Mais il n'y a pas de plaque en pierre. Attendez, c'est bizarre, attendez. Là, ça va être la fin de la vidéo, mais juste avant, je veux voir, enfin, comment ça, une plaque en pierre, de quoi elle parle? Genre, après le chemin? Ouais, attendez. Vas-y. Anti-brume. C'est bizarre, tout ça, enfin, genre... c'est ça? Une grande perle, c'est pas du tout ça. Si je vais là, ils vont m'attaquer ou pas? Vas-y, allez. Non, je peux passer sans qu'ils m'attaquent. Mais non, mais on les a déjà vus. Je vais aller récupérer l'autre objet, déjà. Si c'était une pierre nuit, peut-être ça va être une pierre jour. Non, c'est que c'est pas, c'est la pierre soleil, c'est ça? Je sais plus. Allez. Vas-y, on connaît, très bien. C'est bon? Voilà, très bien. Ok, ok, et donc... non, oui, je veux pas me faire attaquer maintenant quand même. Un élixir, rien à voir, mais ok. Mais je sais pas de quelle pierre elle parle. Tant pis. Et bien les amis, nous on va en rester là pour cet épisode de Pokémon Diamant Étincelant sur Nintendo Switch. Demain ou après-demain, je sais pas exactement quand, la suite sortira, parce que je le veux, le Pokémon. Dans tout cas, merci à tous de l'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et à bientôt pour la suite. Salut !